voiture, braves gens, juste à temps. Moi qui m'étais mise à la bourre, on est là et on essaie de faire marcher Voice Changer qui ne marche plus. Voilà. Pourquoi mon voice mode il marche pas? C'est ma grande question. Parce que hier ça marchait. J'ai redémarré le PC, il y a eu cette mise à jour de pute. Et depuis, bah, ça marche plus. C'est nul. Il me faut mon futur. Le futur. Où est le futur? Général. Démarrer dans la barre d'état système. Démarrer avec Windows. Réduire dans la barre d'état système à la fermeture. Ah, réduire dans la barre d'état système à la fermeture. C'est ça en fait. T'as pas quitté. Je reviens. Allez. Un, deux, un, deux. Ah. Ah, ben voilà! Le futur! Essentiel! Essentiel, braves gens! Absolument essentiel! Voilà. Laissez-moi m'auto-écouter pour être sûr que ça marche. Voilà, ça y est. Le futur! Ah, voilà. Sans le futur, c'était pas possible. C'était pas possible! Alors, ça. C'est le flic. Tu recules, tu recules. Ça, c'est le robot. Ça, c'est la chanteuse. Imagine cette voix qui chante alors qu'elle te malaxe la bite. Je vais pas dire le bite, non, la bite. Bref. Du coup, voilà, ça, c'est une autre. Ah oui, c'est sympa celle que je disais. Ça, c'est l'écho. Ça, c'est l'écho. Ça, c'est l'écho. Ça. Ah, c'est de la merde. Voilà. Ça, c'est nul. Ça. Ah oui. Tu recules. Tu recules. Faut que je monte le son. Voilà, très bien. Tu recules. Ça, c'est pour la foi. Ça, c'est la foi, mais plus petite. Ça, c'est pour des revendications. Et ça fait juste pas assez de bruit, dommage. Ça, c'est... Quoi qu'il est réglé, 1, 2, 1, 2, dénomination du futur. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Mais le volume est pas très fort. Monte le volume, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, il faut le monter à fond, hein, sinon ça passe pas. Et enfin... Ah, voilà. Je suis réveillé. Hein? Ah, c'est parfait, celui-là. C'est parfait, celui-là. Je servirai même dans la mort. Enfin de retour au combat. Ah, le Dreadnought, il est fantastique, hein? Ma foi est éternelle. En son nom, je Ah, c'est fantastique, hein? Le chapitre a besoin de moi. J'avance et j'éclaire les ténèbres. Ah, tu peux, hein. Tu peux, hein. Ah ben, bien sûr. Mieux vaut mourir pour l'empereur que vivre pour soi-même. Ah, c'est pas mal, hein. C'est les vrais braves, hein. C'est fantastique, hein. Bob, la citation. Pour l'empereur. Alors les gens qui disent pour l'empereur Dieu, vous avez tort parce que les Space Marines ne disent pas empereur Dieu. Ils le disent très 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 rarement et seulement lorsqu'il y a des réunions, si tu veux. Lorsqu'il n'y a pas des réunions, mais lorsque c'est des parades ou des trucs comme ça. Pour eux, c'est juste l'empereur. Hein. Pour eux, c'est juste l'empereur, c'est pour ça. Donc du coup, voilà. Si, ça dépend des chapitres. Ouais, mais ceux qui l'appellent l'empereur Dieu, voilà. C'est des chapitres qui sont un peu fourvoyés. Juste un peu, voilà. Ils disent quoi alors? Ben, ils disent l'empereur. C'est juste l'empereur. Pour un être humain normal, c'est l'empereur Dieu, parce que tu fais ta religion dessus.
Eux, ils ont un morceau de religion dessus, bien sûr, mais c'est principalement une... Ils se considèrent comme ses enfants, si tu veux. Entre guillemets. Du moins comme sa famille. Enfin, pas sa famille, mais m'a compris. Les enfants des enfants. Vu qu'après tout, ils ont le cybergénome, donc... c'est pour ça. Ok, très bien. Ah bah oui, il y a celui-là aussi qui est fun. Brûle, hérétique. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je reprendrai des biscuits. Mêlés dans le sein blender. J'ai besoin d'une paille avant d'aller au combat. Ah putain. Ah mais c'est beau, hein. C'est ça. Mais Sauron, mais non, mais c'est pas Sauron, c'est pas Smoke, c'est pas rien du tout. C'est un dreadnought, les enfants. C'est un cuirassé de... Non, peut-être. Bon. En tout cas, il faut que je réécoute ma voix une seconde, pour être sûr. 1, 2, 1, 2. Ah voilà. Ça, c'est quand tu tombes sur un mec cyborg, éventuellement. Ça, bien sûr, c'est pour le robot. Ça, c'est pour le futur. Évidemment. Ça, c'est pour les flics. Enfin, les flics, m'a compris. Ça, c'est pour les gauchistes. Ça parle mal, c'est parfait. Ok. Ok, donc notre objectif, braves gens, c'est de tourner un épisode, si possible, 40 minutes, pas bien plus, de faire quelque chose d'à peu près correct. Voilà. De faire quelque chose d'à peu près correct, et on y croit. La bonne nouvelle, c'est que hier, tout marchait. Donc si jamais il y a eu une mise à jour, on est bezaref mucho. Bezaref mucho. Allons-y. Merde. Où est-ce? Là. 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 Voilà. Ok. À votre avis, je laisse la vidéo d'intro. Ouais, je vais sans doute laisser ça. Voilà. Clic. Et vous. Bonsoir, je suis Bob Lennon et bienvenue. Des meurtres, les cadavres se montaient à 30 piliers. Oui, un chiffre rond. Grâce à notre fabuleuse guerre des gangs, on compte aussi un policier. Alors gaffe à vos culs, parce que le NCPD va pas laisser passer ça. Ouh, plus de brutalité. Courons à Santo Domingo, encore des nettes d'honneur occupés à trouer le réseau électrique. Avec leur grosse mégabit. La traumatisme décolle les victimes des cyberpsychos de la chaussée. Personne pense jamais à l'équipe de nettoyage, c'est dégueulasse! Pacifica, reste Pacifica! C'était votre ami Stan! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves! Oh! Bonsoir, je la refais, on est là! Bienvenue sur Bob Lennon, alias X Phantabob Games, pour du cyberpunk! Ah Bob, t'as pas utilisé la voix, pardon, excusez-moi, je vais le faire. Cyberpunk! Voilà, très bien, on est là. Enfin, depuis le temps que je fais des vidéos avec pour intitulé Le Futur, on y est, c'est enfin le futur. Au bout d'un moment, on va y arriver, si tu veux. Hein. Et j'ai la chance, brave Jean, malgré tous les défauts qui peuvent se taper au lancement, de, comme pour Arkham Knight, Batman Arkham Knight, n'avoir aucun bug. J'ai eu aucun bug. Pour moi, ça tourne fluide, c'est impeccable, c'est sublime.
Il y a aucun problème, c'est visuellement magnifique, c'est fun. Moi je suis mais goldé. Donc bien évidemment maintenant que j'ai dit ça, je vais subir le karma en pleine chatte, hein, bien évidemment. Alors j'annonce dès le début de ce playthrough que nous n'allons pas trop papillonner. Mais sérieusement, on va essayer. On va modder dès que c'est possible. On va mettre la nudité, mais la cacher pour YouTube parce que c'est plus drôle de mettre des têtes de Fred ou de Benzaï ou de Crane à la place des bits. Bits avec un Y, bien sûr. Hein. C'est les mégabits, hein, sinon ce serait pas là. J'ai changé 2-3 paramètres, notamment la touche F qui maintenant devient la touche E grâce à Zigma. Parce que moi, appuyer sur F, ça me gave. Je joue à la souris clavier. Je n'utilise pas le RTX, mais vous avez du 1080-60fps avec du direct download super sampling. Et pourquoi tu n'utilises pas le RTX, Box Bob? Parce qu'apparemment, le jeu, disons que en termes visuels, ça rend, les couleurs rendent mieux sans. C'est mon avis. C'est mon avis, c'est mon opinion. Donc, allons-y. Du coup, niveau difficulté normal, on va pas se faire chier. Et enfin, l'introduction, c'est parti. On a le choix entre nomade, on peut jouer un gitan, on peut jouer corpo. Alors, je sais que beaucoup de gens m'attendent sur corpo parce que, un, je suis youtubeur et de deux, voilà. Mais il est de mon impression qu'absolument tout le monde sur la planète a fait corpo. Donc, on va partir sur gosse des rues. Voilà. Je sais que corpo ça vous excite, mais gosse des rues, je vous jure que gosse des rues, pour lancer l'intro hier pour tester si ça marchait, tout ça ou autre, j'ai lancé sur gosse des rues. Et honnêtement, gosse des rues, voilà. Et puis, il faut regarder la voiture aussi. On a le choix entre le Grow Tucker d'Alabama, mais enfin du Cyber Alabama. Voilà, exactement. On a le choix entre la Chevrolet Luxus Maximus, bien évidemment. Et tout ceci est agréable et sympathique. Mais sans déconner, regardez-moi cette caisse jaune banane avec un toit rose, belle delphine. Oui, c'est une vraie couleur, le rose belle delphine. Voilà, on est là, on vient de la street. Voilà, on va jouer Cyberpunky. Et notre personnage s'appelle V. Là, il est magnifique. Hop, pour un homme, vas-y. Je vais donc le créer. Je vais pas vous mettre tout ça pendant 3 heures. J'arrive d'ici quelques instants dès que mon perso est créé. A tout de suite. Hop. Tac. Et ben voilà, c'était une intro qui était acceptable. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, voilà. De peau, fais voir, attends, comment on fait pour zoomer? On peut pas zoomer? Donc on peut pas zoomer, très bien. Teint de peau. Vous êtes très blanc. Timbre de voix. Moi c'est V. Moi c'est V. Cheveux, let's go. Non. Non, je voulais revenir. Voilà, très bien. Mais non, reviens. Pourquoi tu... Ah bon? Ah, pardon, excuse-moi, c'est la manette. Ah non, apparemment, c'est un... Ok, bah, premier bug. Moi, c'est V. Moi, c'est V. Bon. Ils montent tout seuls. Ils montent tout seul. Ah! Non. Si, c'est ça. C'était ma deuxième souris. Je m'excuse. Ok, très bien. C'était ma deuxième souris. Allons-y. Alors, c'était ma deuxième souris. Voilà. Voyons voir. Type de. Cheveux. Allons-y. Non. Non. Non, non. Oh, 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 la moumoutasse. Non plus, non plus, non plus, non. Oh, il y a charisme. Un peu classique. Oh, le mulet! Alors, on se souvient de 18, hein. Oh, le pompadour.
Non. Non. Moi c'est V. Moi c'est V. Pourquoi ça remonte? D'accord, ben, le jeu est buggé. Moi c'est V. C'est allé vite, hein. Pourquoi il remonte? Attends, si je débranche la manette, est-ce qu'il admettra un jour qu'il n'y a pas de manette sur ce jeu? Putain, mon père. Ouais, c'était la manette. Ok, très bien. Tout va bien, tout va bien. Donc, c'était combien? 18? Ah ouais, non. Avec ce micro mulet à l'arrière, c'est garanti, si tu veux. Type de peau, fais voir. Non, bah non, il a remonté. Et bien 4, elle est vendue. Couleur des cheveux, on fera ça après. On peut chromer à don. Alors pour les yeux, on veut du rouge. Voilà. Pour créer une cohérence colorimétrique sur le personnage. Alors sourcils. Oui, on va. Il n'y a pas des masses, donc on va faire avec. Des sourcils. Donne-moi du noir, merci beaucoup. Alors j'hésite entre le 7 et le 8. Partir sur le 8, couleur noire. Le pif, montre-moi tes pifs. Dix-neuf, c'est pas mal. Quinze lui va bien aussi, mais il y a peut-être un gros en bout. Et merde, pourquoi ça remonte à chaque fois? Quel enfer! 14 aussi est pas mal. En vrai, j'aime bien 14. Ça lui met un gros pif. Onze avec le petit côté bulbeux, cette légère asymétrie aussi. C'est présent. Dix est un peu simpliste. Tant que 4, il y a le nez un peu courbu. Oula. Il y a moyen de faire des persos classe, hein, je pense. Hein. Il y a moyen de faire des persos classe. Ça, c'est le nez classique. Le 10 était bien. Ouais, je suis d'accord que le 10... c'est pas mal, un peu court mais ça le grumpf un peu. On est un peu sur un style gookie, j'aime bien. Nez, bouche, alors attendez, on y arrive, hein. Attends, d'abord, est-ce qu'on peut avoir la pilosité faciale inexistante? Voilà, ce qui me permet de voir ce que je fais, merci.
C'est pas mal. Alors, il lui manque un menton, hein, quand même. Hein. Bouche 4 est pas mal, mais il lui manque un menton. Bouche 7... D'accord, ça fait quand même ce bruit si je clique sur rien, ok. Il tire la gueule constamment le mec. J'avais dit quoi, bouche 4? Eh, on va partir sur bouche 4. Très bien, pour les oreilles. Way too much. C'est quoi, c'était le 7 que j'aimais bien? Allez, 7, ça peut faire le taf. Ça peut faire le taf. T'as skippé la mâchoire. Mais je sais, mais j'attendais. Ok. Alors non. Ce qu'on veut, c'est du menton, les enfants. Ah, voilà, c'est pas mal, ça. Mâchoire 4. On commence à avoir quelque chose. Mâchoire 5, c'est présent aussi. Mâchoire 6, elle est un peu nulle. Mâchoire 7, non. Mâchoire 8, j'ai pas vu le changement réel qu'il y a eu. Mâchoire 11 est pas mal, hein. Mâchoire 12 a les mêmes avantages sans les inconvénients. Mâchoire 12 est pas mal. Mâchoire 15 le virilise à mort. Ça, ça en fait juste un fuckboy. Combien mâchoire 11? Ou la 12? Quinze, c'est ultra tchat d'énergie. J'avoue que 15 c'est tchat d'énergie, hein, let's go, hein. Style de barbe disponible, on va y arriver. Couleur de la barbe, machin. Matos cybernétique, ça, ça fait aussi énormément de choses. Donc il faut. Pas too much. C'est mieux quand on met plein, mais si c'est des gonzesses. Parce que ça remplace des tatouages, mais de manière plus stylée dans le futur. Bon, on peut rester simple, hein. Rester simple avec le matos cybernétique de barbe. Je suis pas. Ah, ce mulet, il est incroyable. Too much. Non, c'est pas assez. Si on veut y croire, ouais, on reste sur le premier goût des neuf. Cicatrice sur le visage, ça c'est important. Too much. Oula, too much, too much, too much. Ah, juste un œil au beurre noir, c'est juste une tache de cambouis. C'est pas mal, ça, hein. Ça lui donne plein de ça lui donne plein de charisme, plein de caractère. Cicatrice au visage sans.
Ah ouais, la barbe fait tout. Après, tout le reste est too much. Ça, c'est juste pour la couleur, là. C'est bof, hein. Ça fait un peu poil pubien land. Je vais pas vous le cacher. Tout black. Voilà, normal black. Merci. Très bien. Tu lui laisses un fond de barbe mal rasée. Et good enough. Ouais, la barbe, elle est dégueulasse, on est d'accord. La barbe, ils sont chiés dessus. Maquillage, là, c'est important. Dentition, ah oui. Alors, on peut avoir des dents normales, des dents chromées, des dents en or. Je voudrais pas trop le déshumaniser quand même, hein, mais j'avoue que les dents chromées, c'est présent. Maquillage des yeux, voilà qui est essentiel. Est-ce que tu veux bien cligner des yeux, poulet ? Ouais. Je vais vraiment lui donner un charisme fou. Ah, dommage qu'il n'y ait pas un truc qui fasse la même chose, mais pas en forme de cœur. Ça marche. Et voyez, en fait, le fait de lui mettre du maquillage autour des yeux, puis de lui modifier les yeux, ça rend bien, pour la bonne simple et unique raison que on voit la modification, si tu veux. On voit la comment ça s'appelle ? On voit la les piercings aussi, ça fait tout. Ouais, je vois à peine la forme du cœur, je suis d'accord. Mais après, est-ce qu'on peut le changer dans le jeu ? Est-ce que quelqu'un sait si ça se change dans le futur ou pas du tout, ça ? Ah, je vais mettre le cœur. Hein. J'imagine que oui. Nope, c'est définitif. D'accord. Attends, ça ferait pas de sens que dans un jeu pour Cyberpunk, on puisse pas changer son apparence après coup. Pas de sens. Mais je vais laisser le cœur, tu sais quoi ? Parce que sans déconner, cet effet brillance, je trouve ça exceptionnel. Je sais pas vous. Mais moi, j'adore. Alors, pour les sourcils, je suis moins convaincu. Fais voir. Ah, c'est mieux. Tu mets des gros sourcils. Très bien. Bouche, mâchoire, oreille, pilosité faciale, tigre de la couleur de barbe, matière cybernétique, cicatrice au visage. On lui met plein de cicatrices parce que ça le rend charisme. Là. Matos cybernétique, on vérifie. Sans, c'est pas mal. Mais... Ah, oh, 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 oh. Eh.
Pas besoin de plus, hein. Voilà, là on est bien, là. Là on est bien. Et seulement parce que le j'ai mis de l'eyeliner, vous voyez, ça change tout l'eyeliner. Alors, très bien, cicatrice au visage, piercing, voyons voir. Oh, je suis pas convaincu par les piercings. Je sais que être cyberpunk, c'est être un gros dégénéré de nature, si tu veux, mais je suis pas... je ne suis pas saucé par le caractère, disons, fédérateur des piercings. Après, juste un peu à une oreille, ça peut aller. Hein. Ça peut aller, ça peut aller. Hein. Parce que piercing, c'est boucle d'oreille aussi. Hein. Techniquement, c'est des piercings, c'est vrai. Mais ils auraient pu séparer les deux, quand même. Enfin, c'est mon opinion. Donnez-moi des anneaux à droite, s'il vous plaît. Voilà, merci. Très bien. Couleur des piercings. Argenté, en titane. Voilà, très bien. Dentition, je vais lui laisser une dentition humaine parce que si on le modifie trop, ça fera vraiment Terminator. Rouge à lèvres. Ah, 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 ah. Ça peut changer pas mal de trucs, le rouge à lèvres. J'espère qu'il y a du rouge à lèvres un tout petit peu plus léger que ça. 100. Ils ont rien de plus léger que ça. Hein. Non, d'accord, ok, d'accord. C'est ok, ouais, d'accord, ok, ok. Bah, tant pis. Tant pis. Maquillage des joues. Alors faire attention, toujours. Encore une fois, le maquillage des joues, ça peut tout changer. Notamment si on prend un maquillage sombre. Ah, voilà, on voit très bien. Alors, voyons voir. Bah, je vois pas ton maquillage. Ok, bah, très bien, on ne saura jamais. Bouton. Eh bien, je les ai jamais vus, ces boutons. Ongles. Court, long. Long, d'où Jésus. Court, merci. Couleur des ongles. Je peux avoir une couleur chair normale. Générique. Très bien, c'est générique. Téton avec. Le tour infini. Tatouage sur le corps, let's see. Non. 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 Quoique, fais voir ça. Tatouage 4, hein. Tatouage 4. Cicatrice sur le corps, allons-y. Alors, je les vois pas, tes cicatrices sur le corps, mais... Ok, laissez-moi juste changer les cheveux, c'est pour voir. Hein. Si jamais on trouve des cheveux qui collent mieux. Mais je pense qu'on a un perso. Hein. Je veux pas dire, mais il rend bien. Il y a ça aussi qui est pas mal, mais je trouve que le mulet... Attendez, laissez-moi reprendre l'épisode. Parce que voilà, j'ai dit que je les emmerdais pas avec la création de personnages, mais... Mais non, mais attends. Putain de pauvre, fais voir. Le problème, c'est comme il y a un filtre absolument dégueulasse... Impossible de savoir quelle est la couleur. Hein. Parce que l'espèce de filtre jaune-orange, il est immonde. Hein. Alors, plus de barbe et il est beau gosse. Hein. Pas besoin, hein, pas besoin de plus. Hein. Allons-y. Alors. 3, 2, 1. Ouais, le filtre du menu altère totalement la couleur, je suis d'accord. 3, 2, 1. Clic. Rouge.
Oui, c'est moi qui suis con, ok. Message net, très bien. Et ben on fera ça la prochaine fois, peut-être ce week-end ou autrement, quand j'aurai plus de temps. Mais là, du coup, on a le premier épisode qui sortira vendredi. On est bien, je vais le monter, remettre des vannes par-dessus, me démerder. Alors, il est comment le jeu? Pour l'instant, il est très très bien. Hein. Pour l'instant, il est vraiment très très bien. Je suis agréablement surpris. Mais il faut que je me nourrisse, brave Jean. Et on a enfin... Alors, ton avis sur le jeu pour l'instant? Mon avis sur le jeu pour l'instant, zéro bug. Voilà. Un avis irréprochable. Voilà. Zéro bug, vraiment? Bah, c'est comme... comment ça s'appelle? C'est comme Arkham Knight. Souvenez-vous qu'Arkham Knight, quand il était sorti sur PC... il l'avait retiré de Steam tellement il était buggé, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils avaient retiré un jeu triple A tellement il était injouable pour qu'il devienne jouable, genre un truc comme 6 mois plus tard. Or, moi j'étais là lors de sa sortie, je l'avais DDL, il fonctionnait, j'avais lancé et j'avais fait ça sur, Gaming Live. J'avais fait ça sur mes Gaming Live et j'avais eu... zéro bug, ou du moins aucun bug qui n'en est réellement un, si tu veux. Souvenez-vous. Donc moi, irréprochable. Irréprochable. Donc, voilà. Voilà. Tu as des a priori sur le jeu? Aucun. Aucun. Le seul truc, moi, qui me chagrine un micro-poil, si je dois avoir une opinion... c'est que le style de cyberpunk qui est dans le truc, en termes d'esthétique, c'est plus le futur des années 2010 que le futur des années 1980. Si ça fait du sens, ce que je dis. S'il y a des voitures volantes, Bjorn. Voilà, donc c'était mon... C'est mon seul grip, entre guillemets. Vous voyez? Parce que le style du futur années 80, c'est punk, bien sûr. C'est même cyberpunk à donf. Mais il y a du volume. Il y a des froufrous. Il y a glamour à donf, tu vois. Et là, on est plus dans un style futuriste 2010. Où en fait, il y a une excessivité de tatouages. Les coiffures sont dégueulasses. Et les gens ont aucun style. C'est pas qu'ils ont aucun style. Mais comment dire, le... Comment dire, on est dans le futur de Neuromancer. D'accord, ça peut faire du sens, tu vois. Mais voyons, regardez. Je vais faire une comparaison, vous allez comprendre. Ok. Dans Ken le Survivant, les méchants de Ken le Survivant, vous savez, les méchants, genre les protagonistes ou les méchants en mode Ki-ki-ki, Tsuda Kenshiro. Voilà, tu vois, ces méchants-là, ils sont tous très punk, pas forcément cyberpunk, mais ils sont tous très punk. Et pourtant, ils ont une iconographie, ils ont un style graphique, qui leur donne une certaine beauté. Même s'ils ont des crêtes roses fluo et des tatouages dégueulasses sur le visage et qui sont là avec des épaulettes à clous, tu comprends? Il y a une cohérence de ça, en fait. Et de mémoire, toutes les images cyberpunk que moi j'ai eu l'occasion de voir, et même notamment du livre Cyberpunk 2020 qui m'a été offert par Mike Pondsmith en personne, parce qu'il en avait un exemplaire en trop. En fait, il m'a filé l'exemplaire qu'il avait avec lui en vacances, si tu veux. Et il disait, mais pas de problème, moi j'ai le même à la maison, zéro frame. Et du coup, voilà. Et je l'ai lu, ce livre cyberpunk. Et, comment dire, c'était moins crade. Je sais pas comment dire. C'est paradoxal, mais c'est la même différence entre les années 1980 et les années 2010. C'est un paradoxe. L'année 2010 est à la fois... Ah, comment exprimer ça? Laissez-moi m'exprimer, ok. Les années 2010 sont certes moins crades
que les années 1980, en termes de saleté, mais elles sont plus vulgaires, je trouve. Voilà. C'est mon opinion sur le truc. Donc du coup, là on est dans un futur qui est vulgaire plutôt qu'un futur crade. Je m'exprime mal sans doute. Mais bon, fallait voir Harlem dans les années 80, bien sûr, mais fallait voir Miami dans les années 80 aussi. Tu vois ce que les killers. Mais voilà, c'est un futur crade vulgaire plutôt que crado glamour. Non, parce que je peux pas le dire ça au Robert Ross, parce qu'il y a des, il y a du glamour aussi. En fait, il y a du glamour aussi. Il y a des moments en fait où tu regardes des affiches, où tu vois des personnages et où t'es là, pouah, ça te gifle, tu vois. Il y a des moments, c'est complètement Ghost in the Shell. Si tu veux, quand t'as la cyberambulance qui débarque, ça c'est génial. Tiens. Mais comment dire, il y a moyen de faire du dystopique hédonisme, parce que c'est ça cyberpunk, hein, c'est une dystopie hédonistique, hein, c'est le principe. C'est une dystopie hédonistique dans laquelle la surpossibilité d'accès de tout ce qui existe, le trop de liberté a tué la liberté, entre guillemets. C'est le principe, si tu veux. Mais c'est quand même vulgaire. Après, mais c'est la décadence. Bien sûr que c'est la décadence. Mais il y a deux manières de faire une décadence, si tu veux. Il y a une décadence où tu mets des bits partout. Et il y a une décadence... Ah, une décadence à la Mad Max. Hein. Après, bon, c'était... Bah, c'est du cyberpunk. Ouais. Après, je critique pas parce que je sais que c'est la nostalgie qui parle et que je suis un boomer. C'est une critique de notre société qui tend vers ça. Oui, absolument, c'est pour ça. Donc, et le fait que ce soit le futur de 2010 et pas le futur de 1980, je comprends. Vous voyez, c'est comme le film Saint Seiya. Il est nul à chier, le film d'animation avant 3D, il est nul à chier, mais quand ils te sortent les armures de Pégase avec des néons, je suis là, ok, les armures de Pégase avec des néons, on est en 2010, faut mettre à jour, ouais, ça me dérange pas, tu vois, j'accepte la mise à jour du propos. C'est le... C'est pour ça. Mais... Trop de punk, pas assez de cyber. Après, faut. Après, vous avez raison, c'est sans doute parce que j'ai commencé dans les quartiers pauvres, faut voir le jeu, faut avancer. Et surtout qu'en fait, le jeu a des instants de brillance incroyables, si tu veux. Donc, je... Bouh. Oui, absolument. Alors, ça va être très con ce que j'ai dit, mais Deus Ex Human Revolution, Mankind Divided, Deus Ex s'approchait plus de ce cyberpunk sans être vulgaire. Là, on est vraiment sur un vulgaire, je vais pas dire GTS-esque, mais on est parti dessus, si tu veux. Mais après. Bon. Je. C'est pas. C'est pas complet comme critique de ma part, parce que, comme un bon journaliste qui a ensuite mis une note comme 7 sur 10 après lui avoir chié dessus dans toutes les longueurs, et qui a joué 30 minutes sans jamais utiliser les mécaniques du jeu, je suis. Dans l'idée que j'ai encore rien vu du jeu. Donc, comme j'ai rien vu du jeu, attendons de voir les zones, attendons de voir les ambiances, attendons de voir les trucs, si tu veux. Après tout, n'importe quel jeu en open world a des zones. Hein. Il y a le lave de feu, il y a le marais des glaces, il y a la montagne de foudre. Enfin voilà, faut voir.
Absolument, absolument. Donc voilà, c'était l'idée. Pour l'instant, mon opinion est très positive. Voilà, overwhelming, positive. Sur ce, je vous fais des bisous. Je m'enfuis. Il faut que j'upload Virtuaverse et que je le sorte et que je monte Cyberpunk avec une intro digne de ce nom et que je mange et qu'ensuite je fasse mon interview et qu'ensuite je joue avec Squeezie et qu'ensuite je baise ma femme avec de la chance si ça se passe bien. Mais dans tout ce que je viens de dire, il y a un truc qui va sauter. Voilà, c'est certain. Des bisous, merci infiniment et à la prochaine. Allez, zou. Les Games Awards ? Les Games Awards, mais qui en a quelque chose à foutre ? Les Games Awards, ça existe juste pour alimenter les journalistes, hein. Est-ce que t'as vraiment besoin de l'opinion publique pour te dire quel jeu t'as aimé ? Mais mec, à quel point t'es un mouton ? Tu joues à Cyberpunk, mais Cyberpunk, c'est pas une critique de la société actuelle, en fait. La société actuelle, c'est la critique actuelle. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Non, moi, je veux regarder les trailers pendant. M'insulte pas. Ok, les trailers, ça va. Mais si c'est des trailers pour attendre des nouveaux jeux...